Souleymane Signaté et la quasi-totalité des personnes interpellées ont vivement regretté les prix pratiqués par les commerçants. Il paraît non, mais prix, bon, c'est pas abordable aussi, quoi. Et malheureusement, les prix qu'on te propose, c'est des prix qui dépassent les 100 000, qui vont à 150. Et tout le monde est campé sur ça. Donc vous voyez, les gens sont un peu perdus. Et tous ceux qui ont les moyens de se prendre quelques cornes, c'est des gens qui ont mis 100 000 ou 110 000 à la porte. Donc moi, je pense que c'est un problème que l'État doit revoir. Parce que dans sa politique, je pense que si on a cherché à alléger les charges à ces éleveurs, d'abord au niveau de l'aliment, aussi au niveau de tous ceux qui traversent les frontières, par rapport au transport, par rapport aux taxes, et même par rapport aux sites qui les accueillent. On leur donne de grands sites, on leur donne la sécurité, on leur donne le courant, on leur donne l'eau, tout ce confort, et mais on ne le sent pas. Le consommateur que nous sommes, nous les Sénégalais, on ne ressent pas l'effort que l'État fait sur ces éleveurs. Donc moi je pense qu'il y a problème. Donc il y a problème et moi j'ai la solution à ma manière. Parce que je pense qu'il faudrait qu'on laisse les collectivités locales pratiquer la solution d'antan. C'est quoi? C'est le retour des taxes au niveau des forêts. Les taxes, ça va permettre à ces derniers effectivement de se débarrasser très vite de ce qu'ils ont amené. La fête de Tabaski est donc un moment spécial pour les musulmans. Les commerçants de Bazin, de Guesner, entre autres tissus en vogue, les tailleurs et les coiffeuses, les vendeurs de condiments, entre autres, tous sont débordés. Les devantures des boutiques sont inondées de clients. Mais au centre de cette fête de Tabaski se trouve le sacrifice des moutons qui est devenu cette année une redoutable préoccupation pour les responsables de famille. Aji Guinchor, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Diémi pour la radio-télévision Wolfadjiri.